gars, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que ça va te faire plaisir. On est reparti sur du Rocket League en 3v3. Je sais qu'il y en a certains qui sont là que pour du Rocket League et d'autres que pour le Let's Play. Mais bon, j'essaie de satisfaire un maximum de personnes. Alors, comme tu l'as su dans la précédente vidéo, on a commencé à faire une petite équipe. On est parti pour augmenter le plus haut possible dans la compétition pour avoir un putain de gros niveau quand on va avoir les récompenses à la fin de la saison. Donc j'espère que ça va te faire plaisir parce que bah, nous on se donne vraiment à fond. Et on essaye de trouver des jours où on peut vraiment s'améliorer, jouer vraiment ensemble. Parce que c'est pas toujours facile. Ça commence bien. 36 secondes déjà de passer et on marque déjà notre premier but. Petit centre pour Digix et lui il marque. Franchement ça fait plaisir parce que là on est vraiment en train de se comprendre notre méthode de jeu. On est vraiment en train d'apprendre à jouer ensemble et ça fait plaisir parce que tu vois que en face ils ont quand même assez du mal à gérer ce qu'on leur propose. Après je dis pas qu'on va pas s'en prendre parce que bah voilà on n'est pas non plus invincible. Mais en même temps tu vois qu'on est quand même présent, qu'on leur donne du fil à retordre. Et franchement là moi ça fait vraiment plaisir que tu vois que notre niveau il s'améliore comme ça. Au moins par la suite et même quand il y aura des putains de compilations, tu verras quand même qu'il y a du bon jeu. Parce que compilation j'ai un peu... Bah si on continue comme ça, si je rajoute plus de let's play dans la chaîne, j'ai l'intention peut-être de faire plus des compilations et ralentir un petit peu les matchs. Enfin je sais pas encore, j'ai plein de projets et pour le moment je suis en train de réfléchir vraiment à comment tout sortir et là je suis en train de la changer petit à petit. Et ça plaît parce que les abonnés commencent à remonter, ça me fait plaisir. Alors ça m'arrive quand même énormément de fois de grimper sur le mur et de me louper comme une grosse merde. Enfin bref. Je parcours des heures et des heures de musique par jour pour te trouver des bons sons sans droit d'auteur. D'ailleurs, je mets les petits titres à chaque fois que le nouveau son sort. Au moins, si toi tu... Ah, comment t'expliquer ? Au moins, si toi tu veux les récupérer pour faire tes vidéos ou pour même les écouter parce que t'aimes bien les écouter. N'aie pas peur, tu tapes le titre et tu retombes directement sur la chaîne, etc. Et tu auras le titre de la chanson. En tout cas, j'espère que ça te fait plaisir parce que je passe énormément de temps à trouver des nouvelles musiques. D'ailleurs, j'ai mon PC maintenant, il va bientôt saturer tellement j'en ai. Enfin bref. Et en plus, je trouve que ces sons, ça va quand même plutôt assez bien avec le Rocket League. Et si tu fais une petite compilation avec ce genre de son, ça peut vraiment faire quelque chose de super. Voilà, je suis tellement avec la musique que je fais même pas gaffe au jeu. J'ai parlé de faire des compilations avec les abonnés. Ça va bientôt rentrer en compte. Je suis en train de voir comment je vais faire la chose. Mais ça va bientôt commencer. Je te dis pas quand, mais ça va bientôt commencer. Là, il reste quelques petits changements à faire. Et je lance ça directement. Enfin, en même temps, je vais en parler avec certains partenaires YouTube. Au moins, si on peut mélanger les chaînes, ça pourrait faire plaisir aussi. Enfin,
Enfin, je pense que le plus simple, ça va être que je crée une nouvelle adresse email où ça sera réservé qu'à mes sons, qu'aux extraits que vous allez m'envoyer pour la compilation. Enfin, on en reparlera tous, on en reparlera quand ça sera le moment, quand le moment va vraiment arriver. Parce que là, tu vois, il y a tellement de trucs de prévus sur la chaîne. Et puis en plus, aujourd'hui, je fais que de bafouiller, j'ai vraiment du mal. Bon, il est temps que je me réveille, j'ai pas fait grand chose dans ce match. Il me reste 30 secondes pour pouvoir marquer mon petit but. Aïe aïe aïe, ça devient tendu quand même. Hein. J'ai pas encore marqué un seul but. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas marqué mon but. Non, maintenant en fait, si tu préfères, là dans le 3v3, je vise plutôt que l'équipe gagne, plutôt que je cartonne et que je te mets 3, 4. Enfin, que je te mets un maximum de buts. Là, je vise vraiment la victoire de l'équipe. Je préfère jouer collectif plutôt que de vouloir essayer de passer tout le monde. Petite victoire de 1, mais victoire quand même. C'est toujours bon à prendre. Au moins, tu vois, moi, je perds pas en division. Et Ichiro, pour le moment, n'a toujours pas perdu un seul match. Alors, comme je l'ai dit, on va essayer de le faire aller le plus loin possible. Alors là, je suis en train de monter mon grade argent. Allez, on se retrouve pour un second match. Toujours en compagnie de mes collègues. On est parti pour encore un petit 3v3. J'espère qu'on va aller encore plus loin. J'espère quand même que ce match va être plutôt assez disputé et qu'on va pas le perdre. Oh, mais qu'il est beau ce ballon. Dommage. J'aurais été un petit peu plus proche, j'aurais pu faire quelque chose de bien. Bah j'ai marqué mon but, je l'ai pas marqué dans le match d'avant, mais là je l'ai marqué. Ah, il est beau quand même, franchement il est beau. Moi j'aime bien, des petits buts comme ça, ça me suffit, tu vois. J'ai pas besoin de taper du freestyle, de toute façon je sais pas le faire. Ah d'accord, déjà un premier rage kit. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça t'aura plu. Excuse-moi, je voulais vraiment te mettre un vrai match. Hein. Bah allez, je vais être gentil, je vais en mettre un autre alors. En fait non, j'ai même plus envie de refaire un match, j'ai envie de rester sur, sur un petit rage kit, ça change, franchement ça change. Et puis, puis voilà, tu vois, pour pas avoir une vidéo trop longue non plus de 15 minutes, de temps en temps repasser sous la barre des 10 minutes, ça fait quand même plaisir. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Discord, Twitter, Snapchat et Instagram, je t'ai mis tous mes pseudos. N'hésite pas à me rejoindre, je réponds à tout le monde. Enfin, j'essaye de répondre à tout le monde. Si je ne te réponds pas tout de suite, je verrai ton message par la suite et je te répondrai quand même. Je tiens également à tous vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et moi, ça, bah voilà, ça me touche. Je pensais vraiment pas en arriver là. Je pensais vraiment pas passer ce nombre de vidéos. Et juste pour ça, je tiens à te remercier. Et il y a des vidéos spéciales qui vont bientôt tomber, je n'en dis pas plus. Mais il y a encore du lourd qui va arriver sur la chaîne, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à partager toutes mes vidéos, n'hésite pas à partager les liens de la chaîne, ça me ferait super plaisir. Donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Chirika.